Il y avait à ces années un homme nommé Corbeil, centenier de la colonnette dite italienne. Cet homme était pié et prémédié avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il venait également dans une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant les hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à Aïe et sa parole. Amen. Bien que ce soit. Je vous salue encore dans les noms du Seigneur Jésus. Et je remercie le Seigneur pour le privilège que le pasteur m'a accordé. Peut-être que ça vous étonne que j'ai dit que le privilège que le pasteur m'a accordé. Oui, moi je l'ai dit comme ça. Parce qu'il est connu par les Écritures. La Bible nous dit. J'avais demandé à six mêmes, voir comme si c'est ma paix. Non, ils sont là. Ouais. Et on peut chanter la six. Il va les six mêmes. On peut aussi le faire. Merci Seigneur.
Let's
nous sommes dans la chaîne de la mort. Amen. Et cette chaîne-là, ça demande une possibilité pour nous. Amen. D'abandonner et de s'abandonner. Amen. Amen. Oui. Et si nous voulons que tout ce que nous faisons dans notre vie, nous puissions réussir, nous devons suivre la commune du Saint-Esprit. Il y a des phrases. C'est là où les églises ont échoué. Mais nous ici, nous voulons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Et qu'aucun de nous ne périsse. Même si Frère Branham a dit que où nous avons mis les enfants de Dieu et que les diables n'est pas là, nous disons amen. Amen. Mais un homme qui a l'esprit de Christ, il est compatissant. Il a la colère. Amen. Il n'acceptera pas ton frère ou sa sœur dans la souffrance. Amen. Il attendra dans la prière. Jusqu'à ce que la condition de sa sœur. Amen.
délivrer son histoire. Vous avez le travail.
le monde, même si c'était fait pour. Très bien, lui. C'est la signe. Tous les ici. C'est pas possible. Et maman, il est
nous enseigne la parole. Amen. Et parti. Amen. Quand elle est parti, il nous appelle encore et nous enseigne la parole. Amen. Bien vu. Ma mère, elle ne sait pas lire. Oh, Dieu. Amen. Elle n'était pas à l'école. Mais ce que je vous dis là, des années plus tard, j'ai vu dans la Bible. Amen. Yes. Vous voyez les effets du Saint-Esprit. Amen. Même si c'est écrit là, vous n'avez pas encore vu. Mais c'est que tout le monde vous a vu passer là. Comme si
cela sera rétabli. Amen. On n'aura plus la maladie. Amen. 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 On n'aura plus la maladie. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, frère et sœur, beaucoup y répondent pas à la guérison. Contre la guérison de vie, ouvrez le feu. Parce que, frère, madame, il s'est dit, la foi de l'enlèvement, c'est la même foi qui guérit le malade dans l'église. Amen. 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 C'est la même foi. Mais ces gens doivent simplement être grandis. Amen. Alors, pour que ces gens soient grandis, il faut lui laisser l'espace. Amen. Et il y a une certaine façon de vivre. Parce que quand l'Église du Seigneur, le Saint-Esprit doit prendre prééminence. Amen. 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 Je vous fais la situation. Lesquels il va voyager. La mère a la responsabilité de la part de Dieu. Amen. Les mamans, ils ont la responsabilité de la part de Dieu lui-même. Déplacer cet enfant. Et je pense que c'est pourquoi les mains ont une petite touche spéciale. Amen. Amen. Oui. Les enfants. La Bible nous dit, si vous voulez prolonger la vie, votre vie, c'est sous vos parents. Amen. Il faut écouter les parents. Amen. Amen. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer. Christian est venu à sa propre parole, Romains 4, 5. Vous priez mal. Nous ne devons jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Amen. Souvent nous voulons que les choses marchent comme nous le voulons. Non. Comme nous voulons. Non. C'est vrai. C'est pour cela que nous avons dit ici. Quand nous serons des loups de compagnie. Amen. Le Seigneur nous délivre. Il dira, oh ma fille, vous savez pourquoi vous avez souffert à cause du mariage? Parce que dans votre décision, vous n'avez pas consommé. Beaucoup ici, si la guerre, ont vécu avec les maris qui ne sont pas les maris. Beaucoup ici, la guerre vit avec les femmes qui ne sont pas les femmes. Mais pendant que vous êtes déjà liés, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais ces jours-là, quand le Seigneur est compassé, miséricordieux, il n'a fait pas pour essuyer les larmes. Oui, mon fils. Je sais que tu as chanté avec cette femme. Mais c'est ma fille. Mais toi qui l'as chanté. Amen. Mais ici, c'est fini. Amen. Je suis déjà. Amen. Ma fille. Amen. Je sais que c'est toi. Amen. Tu vois cette personne. C'est lui. Qui est le mari. Tu l'as fait un chemin.
Et quand ce père a prêché ce qui m'avait dit boss, c'était lui-même l'ange Seigneur qui a prêché ce qui m'avait dit. Ils ont compris qu'ils ont fait des erreurs dans leur vie. C'est vrai. C'est la prière. Amen. Il faut maintenant la miséricorde. Et le Seigneur va dire, je n'ai pas compris. Mais enseignez cela à vos enfants. Nous avons la responsabilité. Amen. Que nous ne devons pas oublier. Amen. Chaque jour, chaque seconde de notre vie. Parce que Dieu m'a dit, la crainte de l'éternel, c'est quoi? Amen. Donc, un homme qui est en
Et souvent, nous pouvons poser des questions. Mais dans la Bible, on n'a pas vu tourner ses réparties. Mais comment il a réussi à faire des choses? Amen.
Il est le meilleur aujourd'hui.